Et salam le monde, Sakimba aussi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction bokeh. On va réagir bien sûr à un son de Freeze Corleone issu du projet de Richie Beats. Le titre c'est Sommet et c'est issu du projet Oh My God Volume 1. Il y a pas mal de beau monde hein, parce qu'il y a du Alpha One, du Ateyaba, Guy de Besbar, Flaco, Frénétique. Voilà, il y a pas mal de beau monde. Et on réagira bien sûr au dernier clip de Rémi, Poséidon, issu du nouvel album Le Fils de la Gardienne. Donc les amis, on est parti du coup pour le titre tout d'abord de Freeze Corleone, Sommet. C'est quoi cette prod? Tout droit sorti des enfers. C'est au sommet qu'il y a le plus de vent. On les fume comme des sacs de gaz. C'est pas de la science diffusée, c'est des maths de base. Appelle-nous si tu veux des packs de base. J'ai les passes de Brady. Moi je m'en squatte sur les cartes de crédit. C'est moi dans les cauchemars de Freddy. Cuisine des tracks de ouf. Industrie, on les braque de ouf. Chaque cesse des membres de prod éparpillés. Ok. J'arrive en terreau. Graines d'arbre, argent dans le terreau. Je suis qu'un fentanyl dans l'héros. J'ai imposé la bombe comme dans Counter-Strike. J'aime bien les cadres en couleur Sprite. Comique des coupes comme si j'étais pas humain. Ça cherche des micmacs avec l'expert. Ah, je pourrais jamais me lasser de Freeze en fait, je crois. Je suis Ronaldo, t'es close. Respectez Miroslav Klose quand même. Non, la Freeze là, je suis pas d'accord là. Ça va partir en clash. C'est pas de la science diffusée, c'est des maths de base. Appelle-nous si tu veux des packs de base. Flat ice, il faut des bacs de glace. C'est au sommet qu'il y a le plus de vent. On les fume comme des sacs de gaz. Oh là là. Cette prod là a été conçue dans un bunker. C'est au sommet qu'il y a le plus de vent. Ah ouais, non, la prod énervée. Là, ils ont conçu un truc, Richie Beats et Flem. Frère, ils ont dû... Je pense que le studio a dû prendre feu, je pense, au moment où ils ont créé le truc. Ah non, mais il y a moyen. Oui, les gars, Freeze, Sommet, donc du coup, avec Richie Beats et accompagné aussi de Flem à la prod. Hein. Non, les gars, bah voilà, on est sur du Freeze, 100%. Du Freeze aussi, tu sais, le Freeze du dernier projet, quoi. Là, on est vraiment dans la continuité. T'as l'impression que limite, c'est un son bonus. Alors, franchement, incroyable, je veux dire, dans le texte, dans le flow, etc. Alors, je sais, y en a beaucoup qui vont commencer à... Qui commencent à dire que Freeze, c'est souvent la même chose, c'est souvent le même délire, il surprend plus, tout ça. Mais moi, j'avoue que, voilà, moi, je suis prêt au jeu. Je suis prêt au jeu autant qu'un fan de Jul, en fait, tu vois. C'est-à-dire, le fan de Jul, il va kiffer parce que Jul fait du Jul. Moi, c'est pareil avec Freeze, perso, tu vois. Donc, peut-être que je suis pas objectif ou quoi, mais moi, je kiffe le texte, je me reconnais dans les refs, j'aime bien les rappeurs qui ont des cojones, c'est-à-dire qui dénoncent, qui vont parler d'actualité, des faits de société, etc. Et bien sûr, quand il y a des refs de foot, des refs manga, tout ça, je suis présent. Donc non, franchement, moi je peux que valider encore. Donc après, est-ce que j'ai été grave surpris ou choqué? J'avoue que non. Mais la prod, les gars, la prod, c'est... Waouh, c'est... Ah, ça, c'est... La prod est un attentat. Donc après, j'ai pas envie de mettre de l'huile sur le feu ou quoi, parce que avec l'actualité de Freeze où il avait été, il y avait un de ses zéniths qui avait été annulé ou je sais pas quoi, et au final, non, il pourra quand même se produire en concert, je crois, hein, d'après les dernières infos. Mais en tout cas, grosse force à Freeze. Et évidemment que c'est validé, hein. Allez, on enchaîne du coup avec le dernier clip de Rémi, Poséidon. Là, je sens du grand Rémi. Tout le monde utilise le bon chance de Taken, c'est incroyable. Au bout du chemin, j'ai pas vu la lumière. Pas pareil avec tout le monde, mais pas lunaire. Je réponds aux questions, j'ai pas mis les lunettes. Sans langue de bois, c'est ce qui nous a fait naître. Je fais du sale et je rentre au quartier maître. C'est Rémi. Ces bâtards, ils sont comme les manèges à la foire. Jamais sûr, en plus, ils veulent tes pesos. Le gang des droits, ouvre tes bras. Regarde-moi, la nuit dans les draps, complètement dans les vapes. Ah, j'aime bien le délire du clip, hein. Peur de foncer et peur d'aller trop doucement.
sentiment monétisé. Tiens, je te paye un coup apprécié ou les terres, bien habillé mais trop déguisé. Je marre bien derrière l'ordinateur, je vois tout faux comme les Champs-Élysées. Les mecs, c'est quand qu'on monte dans la fusée. Je fais peur à l'échec, en un coup je réussis. J'ai quitté la danse comme le chat, je suis rusé. Demande pas pourquoi, fin de soirée, elle me félicite. Oh ma madonna, j'ai tellement d'énergie. Ah ouais. On meurt dans l'ombre. Là aussi, ça rapporte. Là aussi, y'a du texte. Hein. Je pouvais pas me plaindre dans le confessionnal. Petit Rémi perfectionnait son art. Aïe aïe aïe. Ah ouais. Oh, incroyable la fin là. Ah ouais, non, franchement, du Rémi. J'ai envie de dire, voilà, du Rémi. De toute façon, après les extraits là précédemment, pour pas dire de bêtises, voilà le titre bah, éponyme, le fils de la gardienne. Franchement. Qui était pour moi une grosse pépite, plus le titre La Vérité. Là, on est vraiment dans une continuation avec le clip Poséidon où il continue à évoquer tout ça, quoi. Je veux dire, sa période. Là, c'est plus vraiment dans son adolescence et le début de sa carrière, j'ai envie de dire, pour le citer, où il dit ouais, le petit Rémi perfectionnait son art. Enfin, bref, il parle un peu de, on va dire, du côté ombre. La face cachée, on va dire, de sa jeune carrière. Donc voilà, avec sa fameuse plume et son identité musicale aussi qui est très très forte. Moi, je kiffe vraiment. Moi, c'est l'écriture de Rémi, c'est comment il amène ça. Moi, voilà, dans le flow, le mec rap. Parce que moi, j'aime bien aussi le répéter, c'est que je fais énormément d'écoutes de rap français. Mais il n'y a plus personne limite qui rappe. Donc là, ça fait plaisir. Et encore une fois aussi, un élément super important, c'est l'émotion. C'est-à-dire que Rémi, quand il rappe, quand il pose, etc., il y a de l'émotion. Il transmet quelque chose. C'est pas du vide, c'est pas des sons sans âme. Donc là, moi, perso, moi, je me le suis pris dans la tête, le titre. Et ça me pousse, évidemment, à écouter le projet au complet. Donc voilà, évidemment que le clip Rémi, et en plus en parlant même du clip, voilà, il y avait des images un petit peu sympas, tout ça et tout, mais j'ai kiffé vraiment les petits effets là, des effets qu'on voit très rarement dans d'autres clips, parce que j'ai l'impression aussi que dans le rap français, tous les clips sont identiques, ce qui est vraiment très fatigant et lassant. Et là, encore une fois, il y a même dans le clip, il y a une identité différente des autres. Donc évidemment que le clip de Rémi Poséidon, c'est Validay. Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Réaction bouquet, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et dites-moi voilà ce que vous pensez du titre de Freeze Corleone Richie Beards sur le titre Sommet et bien sûr le titre de Rémi Poséidon. Voilà, vous me dites tout ça juste sous la vidéo. Bref, c'était un pas possible, je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking Beards. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down.